Pour ceux qui ne sont pas encore au clair avec ce qu'est un broker ou encore appelé courtier, c'est l'intermédiaire qui va être entre vous et les marchés financiers. Autrement dit, c'est comme une banque, vous allez y déposer votre capital de trading et ce broker que vous aurez choisi bien va conserver vos fonds et va passer les ordres pour vous sur le marché en temps réel quand vous voulez acheter ou vendre un actif financier. Vous l'aurez compris, il est important de bien choisir son broker parce que vous allez travailler avec lui pendant un certain temps. S'il y a des problèmes déjà de service client, s'il y a des problèmes de commission trop onéreuse, s'il y a des soupçons d'arnaque parce que le broker est basé dans des endroits un peu louches, ou encore si le broker ne vous envoie pas vos gains sous 3 jours ouvrés quand vous lui demandez, eh bien il va y avoir un problème et ça va forcément entacher vos performances de trading. Vous l'aurez compris, dans ce métier de trader, il faut absolument travailler avec un acteur de qualité et cette première partie va vous servir à faire justement le choix le plus judicieux pour vous. Première chose ultra importante à retenir, c'est qu'il va falloir éviter les arnaques. Donc pour ce faire, je vais vous donner un petit tip très simple, c'est d'éviter tout ce qui est broker basé à Chypre, aux îles Caïmans, Malte, etc. Tout ce qui va être en fait paradis fiscaux. Ce n'est pas un jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Si un tel veut localiser son entreprise dans un paradis fiscal, que bien lui fasse et chacun fait ce qu'il veut. Par contre, les amis, au niveau des brokers, il y a une constante qui revient souvent, c'est que ceux qui s'avèrent être des arnaques sont tout le temps basés dans des paradis fiscaux. Donc voilà, attention à ça, vous devez y penser quand vous faites votre choix. Évidemment, il faudra que votre broker soit régulé, que ce soit par l'AMF au niveau de l'autorité des marchés financiers en Europe, ou que ça soit une régulation en Asie, ou peu importe l'endroit dans le monde dans lequel se trouve votre broker. En tout cas, il faut qu'il soit régulé parce que ça voudra dire qu'un tiers, une instance d'autorité a validé eh bien, cette entreprise et donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Troisième point très important, évitez les brokers qui sont trop chers en commission. Donc au niveau du spread, c'est-à-dire l'écart de prix quand vous achetez ou vendez un actif financier. Et deuxièmement, sur les commissions overnight et over weekend. Donc les positions que vous allez tenir plusieurs jours, plusieurs semaines vont vous coûter plus cher qu'une position intraday que vous coupez dans la journée. Mais le problème, c'est que d'un broker à un autre, il peut y avoir beaucoup d'écart en termes de commission. Je ne vais pas citer de nom dans cette vidéo, mais il y a un broker très connu qui fait beaucoup de publicité et qui a énormément de clients à travers le monde, qui est malheureusement beaucoup beaucoup trop cher pour un trader débutant. Certains brokers sont si chers que sur des petits capitaux type 500 euros, eh bien, ils vont tellement ronger votre capital avec les commissions qu'au final, vous n'arriverez pas à vous en sortir, même si vous n'êtes pas si mauvais que ça. Donc voilà, le choix du broker en fonction de la commission est aussi très importante parce que c'est aussi votre capital de trading, c'est aussi votre outil de travail et donc vous devez le préserver un maximum et éviter de donner comme ça de l'argent limite gratuitement à votre broker alors que chez un autre, vous allez payer beaucoup moins cher. Quatrième point important pour le choix du broker, à mes yeux, c'est qu'il doit avoir un nombre d'actifs financiers à trader très important. Personnellement, le mien, il a les actions, il a les crypto-monnaies, il a le forex, il a tous les indices, il a les métaux précieux, notamment le gold et l'argent, il a également les matières premières comme le pétrole et encore beaucoup d'autres actifs. Donc voilà, il vous faut un broker complet qui propose beaucoup d'actifs financiers. De cette façon, vous pourrez diversifier votre portefeuille et puis si vous débutez, vous pourrez eh bien chercher quel est votre marché entre guillemets de prédilection. Par exemple, un forex, ça va pas convenir à tout le monde. Un actif comme les indices ou encore le gold, le pétrole qui sont beaucoup plus volatiles, pareil, ça va pas convenir à toutes les personnalités. Donc si vous avez un broker qui propose que le forex, qui propose que les crypto-monnaies, que les indices, eh bien, vous allez en fait laisser beaucoup d'actifs financiers de côté. Et peut-être que malheureusement, c'est dans les actifs financiers qui sont de côté qu'on retrouverait l'actif qui vous conviendrait le mieux. Point suivant, également très important, il faut que votre broker ait à tout prix un support client réactif qui puisse donc répondre à vos questions et assez rapidement, ok? Si vous avez un broker actuellement qui vous répond sous 2, 3, 4, 5 jours, des fois en une semaine, vous n'avez pas de réponse, c'est un peu problématique. Personnellement, le broker que j'utilise, je lui envoie un email quand j'ai une question particulière à lui poser et puis j'ai une réponse dans les heures qui suivent. Essayez d'avoir un broker qui est réactif et qui prend soin de ses clients, ça montre un peu la psychologie également de la boîte, ok? Souvent, les arnaques vont pas prendre soin du client, elles vont juste vouloir votre argent et il va pas y avoir une expérience client très très folle, j'ai envie de vous dire. Évidemment, le point suivant est aussi important. Il faut que votre broker eh bien, vous envoie vos gains quand vous lui demandez et pas quand ça l'arrange. Okay? Si il y a des problèmes d'envoi de gains, si ça prend 2 semaines à recevoir un virement de 300 euros que vous avez fait en retrait sur votre compte, les amis, c'est un peu la sonnette d'alarme. Vous devriez faire attention. Il vous faut un broker qui vous envoie évidemment vos gains quand vous lui demandez, sous 3 jours ouvrés, une semaine grand maximum et peu importe la somme. Donc, si vous lui demandez 500 euros, ça doit réagir bien. Si vous lui demandez 30 000 euros parce que vous avez fait 40 000 euros de gains, eh bien, il doit vous les envoyer dans le même délai que si vous lui avez demandé 300 euros. Ça montrera la bonne santé financière de ce broker-là. Ça montrera que votre argent, il le dilapide pas n'importe où. Et quand on est trader et qu'on fait une belle performance, on est en droit et on est tout à fait légitime à demander nos gains et à les recevoir
sous 3 à 5 jours. Donc voilà vraiment pour les règles très importantes auxquelles vous devez penser quand vous faites votre choix pour votre courtier en compte réel. Également, pour la plateforme de trading, personnellement j'utilise MetaTrader 4. Vous avez aussi TradingView sur l'ordinateur, c'est très sympa, c'est très complet. Moi j'ai commencé avec MetaTrader 4, j'utilise un peu TradingView de temps en temps, mais j'ai même pas créé de compte sur cette plateforme. Je suis vraiment un fan de MetaTrader 4 parce que je trouve que c'est complet. Alors c'est pas le plus moderne évidemment, vous avez peut-être le 5, en tout cas vous pouvez choisir entre MetaTrader 4, MetaTrader 5. Après, comme je l'ai dit, vous avez TradingView, vous avez encore 2-3 autres plateformes sérieuses à choisir pour avoir la lecture graphique. Personnellement je couple mon broker avec MetaTrader 4. Enfin, je voulais voir une dernière question avec vous. C'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il vaut mieux être en réel ou en démo pour commencer? Donc mon avis sur cette question est plutôt simple et je vais vous le donner. Le démo pour moi c'est fait pour débuter et prendre ses marques les premiers mois, c'est-à-dire que si là vous commencez, vous avez découvert le trading hier, vous avez découvert le mot trading seulement hier, et bien là vous pouvez commencer à vous entraîner en démo pour vous habituer aux bougies japonaises, pour vous habituer aux graphiques financiers, aux unités de temps, aux indicateurs techniques, à tout ce qui fait que le trading est compliqué. Mais par contre mon conseil va être de ne pas s'éterniser trop longtemps en démo. Comme dit, les 3, 4, 5, 6 premiers mois, vous pouvez rester en démo. En parallèle, vous apprenez le trading, vous vous formez. Mais très vite, il va falloir quand même aller sur le réel parce que premièrement, évidemment, vous allez me dire c'est logique, mais c'est en réel qu'on gagne vraiment de l'argent, c'est pas en démo. Mais surtout, en réel, on a l'aspect psychologique qui est une des composantes, je pense, avec le recul que j'ai, des plus compliquées dans le trading. C'est même pas de créer une stratégie rentable, pour moi, c'est vraiment de savoir gérer ses trades, de savoir gérer son capital, et de savoir gérer ses émotions quand on est en position qui est le plus important. Donc voilà, le réel, c'est vraiment vous tester sur ce point de vue psychologique, sur vos compétences techniques également, parce que si vous perdez 8 trades sur 10 en réel, c'est qu'il y a un problème, il y a encore du travail à faire, que vous n'êtes pas encore assez prêt. Donc voilà, retenez, le démo, c'est bien pour commencer, mais ne vous éternisez pas dessus, parce qu'il y a l'aspect psychologique qui manque donc à ce compte démo, et qui est tellement, tellement important pour passer de trader médiocre à trader rentable. Après avoir essayé beaucoup de courtiers à mes débuts, j'ai finalement réussi à trouver un broker qui coche toutes les cases que je viens de vous énoncer. Si ça vous intéresse de connaître le broker avec lequel je travaille et que vous aimeriez travailler avec le même courtier que moi, eh bien je vous partage le lien direct pour ouvrir vous aussi votre compte réel. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez ouvert votre compte de trading, eh bien il suffira de le faire vérifier avec un document d'identité, puis vous pourrez commencer à trader. Donc voilà les amis, pour ceux qui veulent trader avec le même broker que moi, eh bien vous cliquez sur le lien que je vous partage en bio sous la vidéo. On va s'attaquer maintenant à la partie 2 de la formation avec le plus gros morceau, à savoir l'analyse technique. Ce module sur l'analyse technique va se décomposer en plusieurs sous-parties. On va commencer par parler du price action et pourquoi je trouve que c'est la meilleure façon d'analyser un graphique. On va ensuite voir ensemble comment définir une tendance et ne pas se tromper pour pouvoir faire un trading de suivi tendance qui est selon moi le style de trading le plus rentable. Je vais également vous montrer comment bien définir vos zones de prix, comment bien définir les patterns graphiques importantes à prendre en compte, et enfin, comment trouver les bons signaux pour avoir un excellent timing sur vos trades et donc de meilleurs résultats financiers. En bonus, dans ce module sur l'analyse technique, je vais vous partager de A à Z une de mes stratégies les plus efficaces et les plus rentables que j'utilise très souvent sur les marchés financiers. Alors le price action les amis, ça va être l'art de se concentrer sur les bougies japonaises que vous voyez sur les graphiques financiers, ok? Vous pouvez voir que sur un graphique de trading, on a deux types de bougies. On a soit les bougies rouges qui sont baissières, soit les bougies vertes qui sont haussières. Et en fait, tout l'art du price action, ça va être tout simplement, en traduction française, eh bien l'action des prix. Ça va donc être le fait de se concentrer sur ce que font les bougies japonaises. Parce que en fonction eh bien de leur taille, donc de leur impulsivité, en fonction de leur forme, qu'elles soient plutôt avec un grand corps et des petites mèches, ou plutôt avec très peu de corps et des grandes mèches, eh bien en fonction de leur représentation, les bougies japonaises vont vous donner quasiment toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre un trade. Également, on va apprendre à lire une bougie japonaise seule, mais à l'intégrer dans un contexte plus large. Exemple, là vous avez un doji, donc à l'unité, cette bougie veut dire quoi? Veut dire une indécision de la part des investisseurs. Et si on la prend dans son contexte global sur cette baisse ici, eh bien on peut constater que cette indécision était suivie par une décision baissière des investisseurs. Donc c'est important vraiment de savoir lire une bougie à l'unité et de la remettre dans un contexte global pour pouvoir eh bien s'en servir. Mais globalement, retenez premièrement vraiment que le price action vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour trader. Alors pourquoi le price action est aussi efficace? C'est parce qu'en fait, ce que vous allez voir sur votre graphique au niveau des bougies japonaises, ça va traduire et retranscrire un état psychologique des investisseurs en temps réel.
Ces bougies japonaises qui sont formées sur les cours, eh bien, elles ne sont pas formées toutes seules. C'est les investisseurs, de par les achats et les ventes à chaque minute, à chaque seconde, qui vont former, eh bien, ces bougies japonaises et donc donner des informations pour un scénario futur. Donc, en comprenant le price action, vous allez rentrer clairement dans la tête des investisseurs et vous mettre à leur place. Le but étant d'être du côté de ceux qui ont la main pour pouvoir gagner de l'argent. Vous imaginez donc à quel point le côté psychologique est important. Comprendre ce que veulent faire les investisseurs, comprendre dans quel état psychologique se trouvent les investisseurs en temps réel, vous sera vraiment d'une très grande aide. Globalement, le price action, les amis, il va simplifier au maximum votre trading et donc vous allez avoir un trading plus rentable. Vous le voyez sur le graphique, c'est quand même clair, on a seulement des bougies japonaises. On a en dessous un RSI qui va quand même me servir pour des confirmations, pour des cassures de zone ou alors pour des retournements de tendance. Mais en tout cas, globalement, mes informations viennent du haut du graphique. Et franchement, c'est tellement plus simple et agréable à lire et à analyser qu'un graphique qui est blindé d'indicateurs techniques sur lequel on ne voit rien et on ne comprend rien. Finalement, ça commence de là pour devenir soit un trader perdant, soit un trader rentable. Ma première étape, les amis, dans une analyse technique, ça va être de définir la tendance de l'actif. C'est-à-dire que si l'actif que je suis en train de regarder n'a aucune tendance, je vais même pas m'y intéresser. Donc tous les actifs qui sont en range, qui ne bougent pas, qui font des allers-retours entre deux zones de prix, comme c'était le cas sur le gold ici dans la zone que je suis en train de vous tracer, eh bien ce genre d'actifs, je n'y touche pas parce que c'est des marchés qui vont être très piégeux. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire du trading range, mais je vous assure que c'est pas la meilleure façon de trader, même si dans chaque style de trading, il y a des traders rentables, évidemment. Donc là, vous pouvez constater sur le graphique du gold en mensuel qu'on avait une phase de range qui a duré très longtemps, de juin, donc de l'été 2013 à l'été 2019, soit 6 ans. C'est-à-dire que le gold a rangé pendant 6 ans entre 1 100 $ et 1 400 $. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc pas ce genre d'actif en range, c'est vraiment un actif en tendance. Et on peut voir qu'à l'été 2019, on a eu une sortie de ce range par le haut, tout simplement, une cassure par le haut, et on peut voir que ça a déclenché un bull run haussier. Et on est passé de 1 400 $ à 2 100 $ quasiment au plus haut sur 2021-2022. Donc ça, c'est un actif que j'ai envie de trader. D'ailleurs, on va zoomer sur cette période ici. Et là, vous avez le premier critère qui est validé, c'est-à-dire avoir un actif en tendance. Parce qu'une fois qu'on s'est extrait de ce range par le haut, qu'on a validé la cassure, qu'on a remis une impulsive pour bien montrer qu'on l'avait cassé, qu'on a stabilisé et qu'on a continué la tendance, je peux vous assurer que toute cette période-là, il y avait beaucoup de trades à l'achat à prendre et de très bonne qualité. Donc vous remarquez les amis que pour définir ma tendance sur un actif, je me mets pas en 15 minutes, je me mets pas en 30 minutes ni en H4, je me mets bien en mensuel. Vous pouvez vous mettre en weekly, en daily maximum, mais je vous assure que vous mettre en mensuel pour définir une tendance long terme, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Maintenant qu'on sait qu'on a une forte tendance haussière déclenchée sur le gold, même si ça fait quelques temps qu'on range, eh bien vous savez désormais que vous êtes en recherche d'achat pour faire du suivi de tendance. Définir votre tendance en grosse unité de temps sera toujours plus pertinent parce que plus respecté par les traders globalement. Une tendance en M15, une tendance en 30 minutes, une tendance en H1 ne sera pas autant respectée, ne sera pas aussi longue, ne sera pas aussi puissante et donc aussi forte qu'une tendance en mensuel. Sachez que les gros traders, les institutionnels et les gros traders particuliers avec de gros portefeuilles, de gros flux financiers, eh bien, trade sur des longues périodes. Ils vont trader par cycle généralement, ça va être plusieurs mois, et donc ils vont beaucoup regarder cette unité de temps de la mensualité. Ils veulent de la tendance en mensuel, et donc c'est pourquoi principalement aussi votre analyse technique doit se faire en grosse unité de temps. Concernant la tendance, en premier lieu, je vous assure que c'est important de la détecter en mensuel, et après, évidemment qu'on va descendre dans les unités de temps pour mettre en place une stratégie plus affinée pour pouvoir notamment entrer en position, détecter des zones de prix, détecter des signaux, etc., etc. Le fait que définir la tendance soit ma première étape, c'est parce que tout simplement, je vais faire souvent du suivi tendance. Il m'arrivera de faire des retournements de tendance sur des grosses zones très importantes, mais en tout cas, la principale partie de mes trades sont des trades de suivi de tendance, et c'est pourquoi il me faut à tout prix une tendance, ok? Parce que s'il n'y a pas de tendance, vous ne pouvez pas suivre, la tendance est totalement logique. Pour moi, le suivi de tendance est plus rentable et plus facile que le trading de range ou le trading de retournement de tendance, ou encore pire, le trading de on sait pas ce qu'on fait. Pour appuyer mes propos et clôturer cette partie de la formation sur la tendance, eh bien, je vous laisse vous rappeler qu'une tendance se poursuit X fois sur les marchés financiers et qu'elle va se retourner qu'une seule fois. Donc je vous laisse avec une question. Est-ce que vous préférez faire partie des gens qui arrivent à suivre la tendance X fois, ou est-ce que vous préférez faire partie des gens qui cherchent le retournement de tendance et qui vont se ruiner tout du long la tendance ?
Maintenant qu'on a vu comment définir une bonne tendance et pourquoi le price action était une façon d'intervenir sur les marchés les plus efficaces, eh bien on va voir ensuite dans mon analyse technique pourquoi et comment les zones de prix ont un rôle majeur à jouer. On est toujours sur l'actif financier du gold, de l'or, et cette fois on est en weekly, donc on a perdu une seule unité de temps par rapport à avant pour définir la tendance. Vous pouvez voir que en weekly également on est sur une grosse unité de temps, et je vais me servir de cette unité de temps pour l'exemple ici pour vous montrer à quel point une zone de prix en grosse unité de temps, c'est la clé pour avoir des trades de très 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 grande qualité. Je pense que si vous arrivez réellement à savoir tracer vos zones dans les grosses unités de temps et que vous réussissez à avoir la patience d'attendre que les marchés arrivent sur vos zones de prix en grosses unités de temps, notamment sur le weekly, bien je peux vous assurer que votre trading va changer. Là pour l'exemple, souvenez-vous, je vous ai parlé de la tendance qui a été déclenchée depuis la cassure du range à l'été 2019. Vous pouvez voir qu'on a eu un bull run et que depuis quasiment 2 ans, on range à nouveau. Sauf que là, on sait que derrière nous, on a un bull run très solide. On suppose donc quoi? On suppose que cette phase de stabilisation du marché, aussi longue soit-elle, eh bien, est une phase de pause avant une reprise de la tendance de fond qui est haussière. Donc, on devrait ressortir à la hausse de tout ce bourbier, d'accord? Parce que souvenez-vous la règle que je viens de vous partager sur la tendance. Une tendance se poursuit X fois, donc 5, 10, 15, 100 fois si elle le souhaite, mais ne se retourne qu'une seule fois. Donc quand une tendance est déclenchée sur un actif, vous avez toujours plus de chances pour que la tendance se poursuive, plutôt qu'à l'inverse, elle se retourne. Une fois que vous commencez à comprendre ça, à mettre les probabilités et les statistiques de votre côté, forcément que vous gagnerez plus de trades qu'à l'actuel. Donc moi, quand je sais ça, ce que je fais directement, c'est que je vais voir la zone basse de la stabilisation. La zone basse de la stabilisation, ça symbolise un énorme, énorme support sur lequel le marché vient s'appuyer et sur lequel, surtout, comme on est en tendance haussière de fond, eh bien, les acheteurs reprennent des positions à l'achat parce qu'ils savent très bien que ce sont d'excellents prix. Acheter ici, c'est moins intéressant. Acheter à 2000$ ici, la once d'or, c'est moins intéressant que l'avoir à 1675 ici, ok? Donc ça paraît logique, mais quand on est dans une tendance haussière, eh bien, on va chercher les plus gros supports en grosse unité de temps de façon à pouvoir s'en servir. Quand je vous parle de patience, les amis, c'est important parce que vous voyez que ce support-là, vous auriez pu en profiter en 2 ans seulement une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici. Ok, donc c'est vraiment un support ultra puissant. Évidemment, on compte pas ici cette phase de cassure parce qu'on était encore dans le bull run. Même si on voit que dans le bull run, mis à part le Covid ici, eh bien la fois où on a le plus hésité, c'est forcément sur cette zone de prix. Donc évidemment que ce n'est pas un hasard que j'ai eh bien cette zone support ici et que par la suite, tout ce qu'il se passe, les rebonds sur cette zone support n'est donc pas un hasard non plus parce que le marché l'a bien prouvé ici. Cette zone de prix ici à 1700$ la once d'or pose des problèmes de direction, c'est-à-dire qu'on hésite à repartir encore plus haut ou à se calmer et à redescendre. Ok, donc c'est vraiment un seuil psychologique. Et quand on est là, on peut s'en rendre compte si on a de l'expérience au niveau de la stabilisation et qu'après, une fois de décision après stabilisation, on casse vers le haut. Donc on peut comprendre évidemment qu'on a une zone de travail très importante qui donnera forcément une zone de travail à l'avenir également. Mais là où c'est important, eh bien c'est sur la première grosse correction de tout le bull run, on vient s'arrêter pile poil sur cette zone-là. Donc là, si on ne l'avait pas encore compris ici, on le comprend ici environ 1 an plus tard, ok? Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, le marché a rebondi sur cette zone. Donc une fois ici, 2 fois ici, quelques semaines plus tard, la 3e, la 4e. Après, on peut voir que le marché a souvent buté sur une zone légèrement plus haute, ok? Là, on est vraiment sur la zone extrêmement basse, mais on est sur la zone la plus solide parce qu'on sait qu'une fois qu'on vient ici, c'est obligatoire qu'on va rebondir, en tout cas jusqu'à présent, d'accord? Ici, le problème avec cette zone, elle est aussi intéressante pour du day trading, mais vous pouvez voir qu'elle est moins solide parce qu'elle est souvent cassée. On a souvent en fait des fausses cassures de cette zone. Vous le voyez, on a souvent des mèches qui viennent piquer en bas. On a même parfois des mèches très 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 violentes. Donc c'est une zone qui aurait pu être tradable parce qu'elle rebondit très bien parfois. Mais il va souvent y avoir des cassures pour aller jusqu'au maximum de la zone en profondeur, notamment 3-4 fois quand même en 2 ans. Donc voilà pourquoi c'est important de tracer vos zones sur les grosses unités de temps parce que ça va beaucoup mieux réagir quand le marché sera dedans. Également, retenez qu'une zone de support et dans un autre exemple qui aurait pu être résistance, eh bien, c'est pas une ligne fixe. Genre, c'est pas juste ça. C'est vraiment une zone de prix plus ou moins large. Donc, approximativement, c'est ça, ok?
Pourquoi c'est important de le noter? C'est parce que, imaginons que vous avez placé votre ligne de support ici sans prendre en compte les mèches. À la prochaine mèche qui cassera par le bas votre petite ligne de support, eh bien vous allez croire que c'est une cassure alors que ça n'en est pas une. D'ailleurs, petite astuce pour éviter les fausses cassures, quand vous avez des mèches qui commencent à traverser vos zones, eh bien, tant que la bougie actuelle sur l'unité de temps que vous regardez est en cours, ça ne doit pas être pris en compte dans une analyse technique. Pourquoi? Parce que ça évite tout simplement ces genres de pièges. Ici, on passe légèrement en dessous de la zone, même l'extrémité basse. Vous voyez qu'on dépasse un peu, sûrement de quelques dizaines de points seulement, mais on dépasse quand même. La personne qui n'attend pas les clôtures de bougie en weekly, donc la personne qui n'aurait pas attendu le vendredi ici, eh bien, se serait fait piéger en pensant qu'on avait une cassure par le bas et qu'on allait continuer, ok? Alors qu'en clôture, et c'est souvent le dernier jour, le vendredi, que les Américains font le coup, bien tout simplement, ils font remonter le marché de façon à sauver la zone de prix. Et en signal clôturé, ça donne au marché et aux investisseurs un signal de maintien du support et donc de reprise à la hausse. Troisième point important à retenir sur les supports, c'est que plus il est ancien, plus il est travaillé et forcément plus il est solide. Donc là, on a quand même un bon support solide pour l'exemple en weekly sur le gold. Et ça rejoint ce que je vous dis, évitez de tracer vos supports en 15 minutes, en 30 minutes. Et également, même si vous les tracez en grosse unité de temps, évitez d'en tracer beaucoup trop, genre 15 en mensuel, 15 en weekly, 16 en daily. Enfin, vous n'allez plus vous en sortir, c'est comme pour avant avec les indicateurs techniques. Essayez de simplifier votre graphique au maximum, que vous ayez les informations les plus utiles et les plus limpides pour réussir votre trade. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer l'esprit et le visuel du coup sur le graphique avec des tonnes d'indicateurs et des tonnes de zones de prix, de support, de résistance dans tous les sens qui n'ont plus ou moins pas trop de valeur, ok? Essayez vraiment de trouver la zone, d'avoir un peu, si vous voulez, la zone plan B à la limite, mais ne vous prenez pas plus la tête. Et comme je vous l'ai dit, vous prenez vraiment du temps sur votre graphique à analyser ça, à chercher le bon support, en l'occurrence pour l'exemple ici. Et c'est très clair quand même que le marché a fortement travaillé ce support-là et qu'à chaque fois, il était très solide. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y avait le support intermédiaire pour le day trading, pourquoi pas? Mais on peut voir qu'encore récemment quand même le support a très bien fonctionné et ça donne un trade de 1675 à 1790 à l'heure où je tourne la vidéo, donc ça donne un trade à 1100 points en seulement 2-3 petites semaines. Donc juste en faisant ce trade swing trading les amis, en tenant un mois votre position avec un broker qui vous dépouille pas en commission comme je vous l'ai dit, eh bien vous avez tout simplement la performance limite de l'année quoi. Enfin, vous aurez fait votre trade et vous n'aurez pas besoin de vous enquiquiner à faire 20-30 trades par jour en day trading, en scalping, en 1 minute, en 5 minutes, là où il y a le plus de hasard en fait dans le trading. Donc voilà pour les zones de prix, je pense que vous avez compris l'importance de tracer vos zones de prix et surtout de les tracer en grosse unité de temps. Maintenant, je vais pas pousser plus loin ce module de la vidéo. Je vous laisse tout simplement, après la formation, vous entraîner à chacune des compétences que je vous partage dans cette vidéo, notamment apprendre à tracer vos zones majeures, vos zones clés sur les grosses unités de temps. Maintenant que vous savez définir une forte tendance en trading, maintenant que vous savez tracer vos zones de prix majeures en grosse unité de temps, eh bien, les deux étapes suivantes que j'utilise dans mon analyse technique au quotidien, ça va être de rechercher premièrement les patterns graphiques qui vont vous permettre d'entrer en position. Et enfin, donc, deuxièmement, pour entrer en position, qu'est-ce qu'il nous faudra, les amis? Il nous faudra un fort signal au minimum avant de pouvoir appuyer sur le bouton acheter ou vendre sur votre application de trading. Maintenant, on reste dans l'état d'esprit d'analyser le gold, de trader le gold. Donc, comme vous savez que la tendance de fond est haussière, on va éviter de vendre l'actif. Maintenant, pour la première partie de ce module concernant les patterns, on va voir deux grandes familles de patterns qu'on retrouve très souvent sur les marchés financiers, à savoir les patterns de retournement de tendance et les patterns de continuation de tendance. Ensuite, pour les signaux, je vous montrerai la logique comme si on suivait eh bien, l'analyse technique complète sur le gold que je viens de vous faire. On n'est plus en weekly, on n'est même pas en daily, on est en 4 heures. Alors pourquoi on est en 4 heures? Parce que cette fois, on a besoin de détails, on a besoin d'affiner ces grosses bougies weekly pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toutes celles-ci, ok? Parce que c'est à l'intérieur de toutes celles-ci que vous allez déceler les patterns qui vont permettre par la suite d'entrer en position avec les bons signaux. Alors concernant la figure majeure de retournement de tendance, souvent ça va être le double top comme on peut le voir ici. Alors ça c'est vraiment la plus connue pour les retournements, vous l'avez en double top ici, en double bottom, c'est-à-dire en W, donc en M inversé, si on vient d'une tendance baissière et qu'on repart à la hausse par la suite. Principalement vous allez retrouver souvent celle-là. Et je vais vous montrer dans l'exemple précis plus tard qu'il y en a d'autres, évidemment. Ça peut être un double top, un double bottom. Ça peut être un fanion qui va pas casser par le bas, mais finalement par le haut à la suite d'une tendance baissière. Enfin, tout cas de figure est possible, ok? Donc là, c'est vraiment la principale pour le retournement. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Là, ensuite, on voit une deuxième pattern chartiste, donc graphique. Et qu'est-ce que c'est? C'est une figure, ce qu'on appelle en porte-voix
pouvez voir, c'est comme s'il y avait un homme là qui pouvait parler dans un gros haut-parleur. Voilà pourquoi on l'appelle le porte-voix. Et cette figure, eh bien, va être souvent une figure de continuation de tendance. Maintenant, ça peut aussi être une figure de retournement, parce que si on l'avait cassé par le haut ici, ça aurait été une figure de retournement, ok? Je pense que réellement, chaque figure de continuation de tendance peut être une figure finalement de retournement, même si les probabilités sont pour que ce soit des figures de continuation. J'espère que vous m'avez compris. Je veux tout simplement dire que là, on a une figure de continuation, mais si on était sorti par le haut, ça aurait été une figure de retournement. En tout cas, cette figure en porte-voix, eh bien, va tenir les cours entre deux zones de prix que vous voyez ici et ici. Une figure de continuation de tendance très connue et très basique finalement, ça va être la figure un peu range à plat comme ça. Donc pareil, le marché vient d'une forte tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, et puis il va enfin stabiliser, attendre que d'autres personnes rentrent dans le mouvement, dans le trade, etc. Et il va se balader tout simplement entre deux zones de prix avec quelques petits excès parfois, soit à la baisse, soit à la hausse. On peut voir donc que suite à cette stabilisation, ce range à plat, eh bien ça a en effet été une figure de continuation puisque on a reperdu environ 1500 pips après en ligne droite par la suite, ok? Et donc là où je voulais en venir pour mon exemple des figures de continuation qui peuvent être in fine des figures de retournement, eh bien là on a un fanion descendant, donc c'est plutôt une figure quand on vient d'une forte chute de continuation de tendance. On suppose, en tout cas les probabilités à la base sur le papier sont pour que le marché sorte par le bas de cette figure et continue la tendance. Maintenant la tendance n'a pas démarré ici, elle a démarré déjà depuis bien plus haut, donc je pense que plus on chute dans une tendance et plus vos figures de continuation ont une légère augmentation de probabilité pour que ça devienne en fait des figures de retournement de tendance. Et là ce fanon baissier qui doit être une simple stabilisation avant continuation de la tendance est devenu une figure de retournement. Et comme par hasard, ça s'est produit, les amis, sur cette zone de prix avec les deux lignes blanches, ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler la zone qu'on a tracée en weekly. Et donc, en weekly, vous pouvez voir à quel point elle a réagi, évidemment, avec le travail que le marché a fait dessus. Mais si vous descendez en 4 heures, comme c'est le cas ici, vous avez tellement plus de détails pour comprendre à quel point le retournement de tendance à la hausse s'est fait sur cette zone de prix. Si vous voulez vraiment connaître toutes les patterns graphiques qui existent, eh bien, je vous laisse vous documenter par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup de bouquins, beaucoup de formations, beaucoup de vidéos gratuites à ce sujet. Maintenant, moi, je vous ai vraiment partagé ma vision globale sur les patterns graphiques, à quoi elles servent. Et on va pas non plus les faire une par une dans cette vidéo, sinon elle durerait beaucoup trop longtemps. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de coupler donc ce raisonnement de pattern chartiste avec les signaux pour entrer en position. Je vous rappelle le topo, on est sur le gold. En mensuel, on est extrêmement haussier en phase de stabilisation. En weekly, on est ici. On est sur une forte zone qui a rebondi maintenant, on le voit, mais on ne savait pas encore que ça allait rebondir. Maintenant, avec ce que je vais vous partager au niveau des signaux et de la pattern ici, vous allez comprendre que au moment T, vous pouviez comprendre que le marché tout simplement allait se retourner et prendre des trades à la hausse pour profiter du mouvement jusqu'à ici sans aucun problème. Et donc en trading, il n'y a pas à être médium ou madame Irma en fait. Il y a juste à avoir un plan bien précis et bien huilé, parce que si vous avez votre zone de prix, vous savez qu'elle est forte, vous savez que le marché maintenant est dessus et vous avez réussi à détecter votre pattern. Et si vous avez le bon signal de cassure par le haut, vous savez que c'est un retournement et que vous pouvez trader à la hausse. Il n'y a rien de plus simple et il n'y a pas à être sorcier ou Madame Irma pour pouvoir faire ça. Il n'y a pas à être médium. Et non, on peut jamais deviner à 100% qu'est-ce que va faire le marché. Maintenant, quand vous avez une réflexion comme celle que je viens de vous faire tout au long de la partie analyse technique, vous pouvez comprendre qu'il est aisément possible, eh bien, d'anticiper. Oui, n'ayons pas peur des mots, ce que va faire le marché dans un proche avenir, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, ok? Et tant que le marché vous donne raison sur votre scénario, il n'y a aucune raison de sortir de position. Donc là, pourquoi c'était intéressant? Parce qu'on a eu donc la zone qu'on attendait, on a eu une pattern en formation qui était donc ce fanion descendant slash stabilisation, et la logique voulait qu'on descende par le bas, mais on a cassé par le haut. Et on n'a pas cassé par le haut de n'importe quelle manière, on a cassé par le haut, si je zoome un peu, avec au préalable une bougie de fort signal d'impulsivité, de volatilité déclenchée à ce niveau-là. Sur les 16,80, on était vraiment à la borne très 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 basse de la zone de prix weekly. Et les investisseurs ont réagi immédiatement à l'achat. On a mis une énorme impulsive englobant 1, 2, 3, 4, quasiment 5 bougies précédentes 4 heures. Quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose à l'achat. Vous comprenez ensuite qu'on est sur une forte zone et vous attendez un peu, parce que cette bougie ici, qui est déjà un signal pour un trading agressif, ne suffit pas si vous voulez faire les choses vraiment dans les règles. Vous devez attendre une cassure franche de votre pattern pour bien que ce soit un retournement.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une bougie suivant celle-ci qui va être une bougie plutôt d'hésitation. Okay, le marché se dit maintenant qu'on est sur la borne haute de la stabilisation, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on casse, en effet, on retourne le marché et après, on va repartir à la hausse. On a eu 4 heures d'hésitation en 2J et après, la décision s'est faite ici. Donc, le réel signal d'entrée en position pour un timing parfait, c'est ici. Alors, c'est ici après la clôture. Donc, vous pouvez rentrer sur ces 2 prochaines bougies ici. Ok, tout simplement. Et vous pouvez voir qu'après, même si le marché viendra stabiliser, flirter avec votre prix d'entrée, avec un peu de patience, vous allez prendre votre argent sur le mouvement parce que vous aurez bien lu le marché. Et ça part tout simplement d'une pattern et d'un signal. Donc, vous avez une forte tendance. Vous savez que vous allez respecter la tendance. Donc, sur le gold ici, on est à la hausse. Vous avez une forte zone. Vous attendez que le marché vienne dans cette zone. Une fois qu'il est dans cette zone, vous regardez quel est le comportement de votre actif. On a le price action qui est aussi à n'en pas douter. Et on a également, pour ceux qui aiment le RSI, en supplément, une divergence haussière. Une divergence haussière très franche, les amis. En 4 heures, ça reste assez solide pour un signal. Pourquoi une divergence haussière? Parce que le marché baisse sur le graphique, le marché monte sur le RSI, tout simplement. On a des points bas de plus en plus bas, symbolisant une tendance baissière sur le graphique. On a des points bas de plus en plus haut sur le RSI. Ça montre donc un essoufflement. Donc ça, plus le price action, plus la zone, plus la tendance de fond qui est baissière, on se dit tout simplement qu'on a un excellent timing pour entrer en position. Et ces quelques règles que je viens de vous dévoiler suffisent à prendre un trade et à gagner de l'argent en trading. Sur le RSI, vous pouvez même ajouter à la divergence, j'allais oublier, eh bien, la cassure de la zone de neutralité des 50% du RSI qui annonce également un retournement tendance. Donc là, vous avez un signal, 2 signaux, vous avez 3 signaux avec le price action. Et couplé à ça avec une forte tendance haussière en grosse unité de temps, une forte zone en grosse unité de temps, ça suffit les amis, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'arguments pour entrer dans un actif. Donc vous l'aurez compris, en plus de vous faire un brief sur l'analyse technique et sur la façon dont je lis un graphique au quotidien sur les marchés financiers, je viens de vous partager une stratégie ultra simple à mettre en place de votre côté. Cette stratégie, vous pouvez l'utiliser en swing trading pour prendre des mouvements comme c'était le cas ici, ok? Là, il y a quand même quelques bougies 4 heures à patienter, donc il y a plusieurs journées de cotation, mais c'est un trade à 1000 pips. C'est pareil, vous faites un trade comme ça, eh bien, vous avez une bonne performance dans le compte de trading et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire 50 scalping par jour avec un taux de réussite de 35%, ok? Cette stratégie, vous pouvez l'utiliser également en day trading, c'est-à-dire qu'au lieu de détecter vos tendances en mensuel et faire vos zones en weekly, vous allez peut-être détecter la tendance en daily et tracer vos zones en H4, ok? Et de cette façon, vous pourrez faire du day trading. Mais ça sera pas vraiment la même logique et la même psychologie que le swing. Maintenant, vous pouvez très bien, je le fais parfois, utiliser une analyse technique très long terme comme je viens de le faire. Une fois que vous êtes dans la zone, eh bien, vous pouvez vous mettre sur du 4 heures et vous pouvez faire du day trading slash petit swing. Vous pouvez faire des trades sur 2-3 jours. Ici, vous avez déjà un très beau mouvement entre la cassure, la validation du trade haussier et le haut du mouvement qui donne quand même environ 300 points. Ok, 300 pips, donc ça reste un très joli trade à faire en day trading si vous n'avez pas la patience d'attendre la prochaine stabilisation. Maintenant, vous pouviez rentrer ici. Et un deuxième exemple, vous pouviez rentrer également ici. Et bien, c'était attendre la cassure de ce deuxième fanion descendant, tout simplement. Pareil, on vient casser avec une énorme impulsive ici, H4 à la hausse. Il n'y a aucun doute, vous pouvez rentrer sur cette bougie-là. Même si ça fout rien pendant 8 heures d'affilée, après, vous inquiétez pas, ça montera. Donc, pour clôturer les signaux que j'apprécie et que j'utilise dans mon trading au quotidien, les amis, eh bien, il y a évidemment l'englobante, la bougie impulsive. Peu importe le sens en fonction du contexte, là on est sur un contexte de retournement haussier. On cherche des signaux haussiers, mais à l'inverse, on aurait pu chercher évidemment des signaux baissiers. Ça peut être des englobantes haussières ou baissières, ça peut être des marubozu. Donc un marubozu, c'est une espèce de grosse englobante aussi, sauf qu'il n'y a aucune mèche. Donc là, en haut, on n'a aucune mèche, mais il y en a une en bas quand même. Okay, un marubozu, il y a vraiment zéro mèche. Vous l'aurez compris, ça va être des bougies de cassure de pattern pour le bon signal d'entrée en position. Et ça va être des bougies avec impulsivité. J'aime bien cette bougie-là qui casse, vous voyez, la pattern et qui est impulsive et qui monte sans aucun doute, comme je vous l'ai dit, une décision haussière. Donc voilà, ça va être vraiment tous ces signaux qui vont montrer un intérêt et qui vont être le plus clair possible. Donc là, vous l'aurez compris, je vous ai délivré une stratégie complète, les amis. Retenez que pour mettre en place cette stratégie, il faut premièrement détecter un actif qui a une forte tendance et la suivre. Deuxièmement, il faut trouver les fortes zones travaillées par le marché d'intervention, là où vous allez prendre position, et ce, sur les grosses unités de temps. Ensuite, il vous faudra une pattern sur une forte zone de préférence avec le signal de cassure qui va dans le sens que vous souhaitez. Donc si vous cherchez à rentrer à la hausse, vous voulez une cassure par le haut. Si vous souhaitez, à l'inverse,
poursuivre une tendance baissière, vous voulez une cassure par le bas et un signal baissier. C'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez cette stratégie en place, vous vous entraînez évidemment parce que c'est pas magique, il faut de l'entraînement. Moi je la trouve très simple parce que ça fait un moment que je l'ai mise en place. Mais entraînez-vous et vous verrez que juste cette stratégie très simple, sans indicateur technique, juste avec du raisonnement et du suivi psychologique des investisseurs, vous allez commencer à enfin gagner des trades. On verra dans la dernière partie de la formation tout ce qui est aspect gestion du risque et money management, mais là vous avez déjà quasiment une stratégie complète à mettre en place dès la fin de cette formation. On va parler d'analyse fondamentale. D'ailleurs, à ce sujet, petit préambule, je suis vraiment personnellement un trader d'analyse technique, c'est-à-dire que je mettrai toujours l'analyse technique devant l'analyse fondamentale. Par contre, je trouve qu'il est important de comprendre un minimum les rouages de l'analyse fondamentale et d'être tenu au courant un minimum également des grosses annonces économiques qui vont tomber chaque semaine, parce que ça va fortement, parfois en tout cas, impacter vos trades. Et d'ailleurs, dans cette partie de la formation, je vais vous donner les news qui impactent le plus les marchés financiers. Comme ça, quand vous verrez que ces news arrivent sur les calendriers économiques, vous pourrez vous y préparer. Pour ce faire, je vous présente investing.com. C'est une application trading de news économiques et d'actualités économiques qui est entièrement gratuite. Voilà pourquoi je vous la partage. C'est la première plateforme de news économiques que j'ai découverte il y a 5 ans à mes débuts en trading. Et depuis, je l'utilise tout simplement, même s'il y a beaucoup d'autres plateformes très qualitatives, celle-ci est complète, donc pourquoi changer ? Alors vous avez évidemment beaucoup d'actualités, vous avez les cotations en temps réel des différents actifs financiers, mais surtout le plus important, ce qui va nous intéresser, vous avez le calendrier économique, et c'est grâce au calendrier économique qu'on va pouvoir être tenu au courant des news qui vont tomber aujourd'hui, demain et toute la semaine jusqu'à la clôture le vendredi soir à 23h. Vous pouvez voir que vous avez donc l'heure de la news économique, vous avez la devise, c'est-à-dire que par exemple cette news va impacter le franc suisse. Vous avez également l'importance, et là justement nous on va sélectionner les news uniquement qui ont 3 étoiles, donc les plus importantes. Si vous avez une étoile sur 3, c'est pas très important, 2 étoiles c'est moyennement important, et 3 étoiles, on aura une forte volatilité attendue sur une news à 3 étoiles, ok? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement dans les filtres, et qu'ici dans l'importance, on va sélectionner uniquement les news qui ont 3 étoiles, donc les news les plus importantes. Et qu'est-ce qu'on a comme news cette semaine par exemple qui sont très importantes? On peut voir que souvent, petite parenthèse, souvent on constatera que les news très importantes à 3 étoiles sont des news qui vont concerner le dollar, parce que le dollar est vraiment la devise, la monnaie qui drive les marchés financiers. D'ailleurs, vous le remarquerez, à l'ouverture américaine sur les marchés financiers, sur le fuseau horaire parisien, donc à 14h30, 15h30, c'est à ce moment précis, pendant 2-3 heures jusqu'à 16-17 heures, qu'il y a le plus de volatilité pendant l'ouverture de la session américaine. Donc c'est pas un hasard, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'investisseurs, il y a Wall Street qui drive vraiment, vraiment beaucoup les marchés financiers globalement. Donc, pour en revenir à cette semaine, il n'y a pas vraiment de grosses news ultra, ultra importantes, même si toutes ces 3 étoiles ont quand même un impact. Vous le voyez qu'on attend une forte volatilité avec ces news. Jeudi, on a par exemple les inscriptions hebdomadaires au chômage US, qui est quand même une news très attendue. Donc, vous le voyez, si on décale sur la droite un peu plus, on a les prévisions, on a le chiffre précédent, ok? Donc, pour le chiffre précédent, on avait 260 000 inscription sur la semaine au chômage. Pour cette nouvelle semaine, on prévoit 263 000, donc une légère hausse, ok? Donc ce qui est important suite à ça, c'est l'interprétation les investisseurs vont faire du résultat. Imaginez donc qu'on attende ces 263 000 inscriptions au chômage et que finalement il y en ait, 350 000, 400 000 ou même le double, 500 000. Et forcément, ça aura un fort impact sur la réaction des investisseurs, ok? Parce que s'il y a beaucoup de chômage dans un pays, c'est jamais très bon pour la devise. Maintenant, si le chiffre prévisionnel est respecté, ça ne va pas inquiéter, ça ne va pas faire paniquer les investisseurs. Donc, on devrait avoir une volatilité assez contenue, assez basique. Ce qui est vraiment important dans les news économiques, c'est les chiffres qu'on attend. Et si le chiffre sort plus élevé ou inférieur, en fonction, il y a une interprétation qui est faite instantanément par les investisseurs. Et c'est souvent ce qui va déclencher donc cette forte volatilité que vous voyez sur les marchés lors de grosses news. Maintenant, comme je vous l'ai dit, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de grosses news. La semaine dernière, vendredi, il y avait le NFT. C'est une des news phares économiques dans le monde du trading. C'est tout simplement le rapport de la création d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Et c'est vraiment une news très attendue qui déclenche souvent beaucoup de volatilité. Et cette news arrive tous les premiers vendredis du mois. Également, en news importante, on a donc le chômage, comme je vous l'ai dit, les inscriptions au chômage. On a tout ce qui va être intervention de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, au niveau des taux d'intérêt, au niveau des conjonctures économiques à venir, au niveau de l'inflation, par exemple, comme en ce moment.
Également, vous aurez tout ce qui est stock de pétrole qui va être important en news économique. Ça tombe, comme vous le voyez ici, chaque mercredi. Donc là, c'est toujours pareil, il y a un chiffre précédent, il y a un chiffre de prévision, et en fonction de du nouveau chiffre qui tombera mercredi, s'il est au-dessus des prévisions ou en dessous, ça aura un impact sur le pétrole, donc sur le WTI et sur le Brent également. Et enfin, des news quand même assez importantes, ça va être les interventions également de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, je vous l'avoue, c'est quand même beaucoup moins important que les interventions de la Fed. Comme je vous l'ai dit, eh bien c'est vraiment les Américains qui drivent les marchés financiers. Donc je vous laisse découvrir de votre côté tranquillement après la formation cette application. Et comme vous pouvez le voir, vous avez également le site web où vous pouvez naviguer. Donc je vous laisse prendre vos marques sur cette nouvelle application concernant l'analyse fondamentale. Vous l'avez vu, c'est assez complet et ça vous sera très utile. Par exemple, si vous savez qu'il y a une grosse news qui va tomber, vous avez vu le calendrier économique, vous avez vu les 3 étoiles, eh bien vous savez que si vous avez des trades en cours, vous allez devoir les sécuriser. Donc c'est quand même assez important. On passe à la suite de la formation. Dans ce module sur la gestion du risque, je vais vous partager 2 stratégies de money management très importantes. Alors la première, ça va être une stratégie assez safe et la seconde un peu plus agressive. Concernant la première, on va respecter 2% de perte du capital en cas de stop loss touché. On va imaginer également que vous ayez un capital de 1000 euros. Comme ça, les calculs seront assez simples. Maintenant, si vous avez 500, si vous avez 350, si vous avez 2500, vous adaptez le raisonnement à votre capital. Donc, 2% sur 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous tapez un stop loss, vous perdez maximum, et je dis bien maximum, 20 euros de votre capital. Donc franchement, 20 euros sur 1000 euros, au cas où vous seriez trompé et que vous auriez perdu votre trade, je pense que ça va, c'est gérable au niveau de la psychologie et c'est vraiment le but de cette stratégie avec une gestion du risque très safe. Et prenons le cas extrême où vous seriez vraiment mauvais pendant une longue période, et bien pour cramer entièrement vos 1000 euros, il suffit de diviser 1000 par 20 et vous tombez sur 50. Ça voudrait dire les amis qu'il faudrait que vous perdiez 50 trades d'affilée pour cramer l'entièreté de votre capital. Je vous laisse imaginer que même en traversant une période très mauvaise, c'est peu probable d'arriver. Voilà pourquoi cette stratégie-là est assez puissante parce que évidemment, elle est très préservatrice et avec une stratégie comme ça, il est tout simplement quasiment impossible de cramer un compte. Maintenant, c'est vrai que sur une stratégie conservatrice, le gros point négatif, c'est que votre capital grossit très lentement. Donc c'est pourquoi je vous propose une stratégie avec cette fois 5% de risque. On part du principe que vous avez également un capital de 1000 euros, ok? Comme ça, les calculs sont simples et c'est un capital que plus ou moins tout le monde peut avoir. Et bien cette fois, un stop loss doit vous coûter maximum 50 euros sur votre capital. Donc si vous perdez un trade, vous tapez un stop loss, vous perdez 50 euros. Et donc cette fois, avec ce 5% de risque par trade, par stop loss, pour cramer votre compte entièrement, vous faites le calcul, il vous faudra 20 pertes d'affilée. Donc c'est un peu plus probable que les 50 pertes d'affilée. Maintenant c'est toujours pareil, perdre 20 trades d'affilée, faut vraiment être dans une très très mauvaise période, d'accord, ou être totalement débutant et acheter ou vendre au hasard, ce qui n'est pas recommandé évidemment. Maintenant avec une stratégie comme ça, quand vous gagnerez un trade, au minimum vous gagnerez 50 euros aussi, parce que si vous risquez 50 euros sur un stop loss, c'est pour gagner au moins, et je dis bien au grand minimum, 50 euros, soit un risque ratio de 1 pour 1, mais pas d'inquiétude pour le risque ratio. Maintenant que je vous ai partagé ces 2 stratégies de money management, on va s'intéresser au risque ratio, parce que si vous avez un bon money management sans connaître et comprendre le risque ratio et surtout l'appliquer dans vos trades, c'est comme si votre rigueur que vous mettez dans le money management ne servait à rien. Pour devenir trader rentable, il suffit pas d'avoir une stratégie efficace, il suffit pas d'avoir un money management safe, comme je vous l'ai montré avant, entre 2 et 5%. Il faut vraiment comprendre l'aspect du risque ratio, parce que si vous ne le comprenez pas, si vous ne le mettez pas en pratique dans votre trading au quotidien, ça va être beaucoup plus dur pour vous d'être trader rentable. Et même si vous réussissez à gagner quelques trades, je peux vous assurer que sur le moyen long terme, sans appliquer un bon risque ratio à vos trades et à votre gestion du risque, vous ne pourrez pas développer une activité pérenne avec le trading. Donc là, vous avez un tableau très scolaire sous les yeux, ça donne pas très envie, je vous l'accorde, c'est d'ailleurs la remarque que je me suis faite en le créant, mais je vous assure que c'est de votre intérêt, donc soyez concentrés. Alors vous pouvez voir qu'à gauche ici, on a tout simplement le risque ratio.
On commence avec 1 pour 1. C'est comme je vous expliquais avant, si vous avez un capital de 1000 euros et que vous avez un risque ratio de 2%, vous acceptez un stop loss de 20 euros par stop loss. Et donc, en conséquent, si vous gagnez votre trade, vous acceptez un premier TP au minimum à la hauteur de votre stop loss, donc 20 euros. Donc admettons, pour ce premier exemple de risque ratio de 1 pour 1, vous gagnez seulement 20% de votre trade, eh bien, en ayant un risque ratio de 1 pour 1, vous serez perdant sur le moyen terme, d'accord ? D'ailleurs, en réussissant seulement 20% de votre trade, ça va être compliqué d'être trader rentable. Maintenant, vous pouvez voir que si on descend, on passe à 2 pour 1, on est toujours perdant. Un risque ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire que vous acceptez de perdre 20 euros, mais c'est pour en gagner 60, donc 3 fois plus au premier TP, eh bien, vous êtes toujours perdant. Maintenant, pour un ratio à 4 pour 1 en gagnant seulement 20% de votre trade, vous pouvez arriver déjà à l'équilibre, ce qui est assez fou, parce que en gros, vous risquez 20 euros. Avec un risque ratio de 4 pour 1, c'est pour en gagner 80. Et donc à ce moment-là, sur 10 trades, en n'en gagnant que 2 sur 10 à 20%, eh bien vous serez à l'équilibre, vous serez ni rentable, ni perdant. Maintenant, les risques ratios à partir de 5 pour 1 vous rendent rentable même en gagnant que 2 trades sur 10. Parce que oui, si vous risquez 20 euros pour en gagner 100, eh bien en 2 trades gagnants, vous gagnez 200 euros, on est d'accord. En 8 trades perdants, vous perdez 160 euros. Donc vous êtes en bénéfice de 40 euros. Vous êtes donc un trader rentable. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à un taux de réussite aux alentours des 40, 50%, 60%. De cette façon, vous n'aurez pas besoin d'un risque ratio aussi gros et aussi rare quand même sur les marchés financiers. C'est pas toujours qu'on peut prendre un trade où on risque 20 euros et on peut en gagner 100, d'accord? Donc voilà, maintenant, c'est un juste milieu à trouver entre le risque ratio et le pourcentage de trades que vous gagnez. Mais déjà, vous constatez que en étant même pas à la moyenne, donc 5 trades réussis sur 10, eh bien, vous pouvez déjà être quand même trader rentable à partir du ratio de 2 pour 1, si on prend l'exemple du 40% de réussite. Regardez, vous gagnez 4 trades sur 10 seulement, mais pourtant vous êtes rentable. Comment ça peut se faire? Parce que en ayant un ratio de 2 pour 1, si vous acceptez de perdre 20, mais de gagner 40 au moins au premier TP, eh bien, en gagnant 4 trades sur 10, vous gagnez 40 euros, ça fait 160 euros. Maintenant, il vous reste 6 trades que vous allez perdre, ok? Mais sur ces 6 trades, vous allez perdre 20 euros. Donc 6 fois 20 euros égale 120 euros. Ce qui fait que vous êtes quand même gagnant. Et vous le voyez, plus on monte donc en taux de réussite, donc là vous gagnez 5 trades sur 10, ce qui n'est pas non plus ouf. Pour devenir trader rentable, gagner seulement la moitié de ces trades, c'est vraiment atteignable pour tout le monde. Et ben là, vous vous rendez compte qu'en ayant un risque ratio de 1 pour 1 en moyenne, vous êtes à l'équilibre, vous êtes ni gagnant ni perdant sur le moyen terme, et sur 10 trades également à 50%, et bien en ratio 2 pour 1, c'est-à-dire que vous gagnez le double de ce que vous risquez sur votre stop loss, et bien vous êtes déjà rentable. À 60%, à 6 trades sur 10 de réussite, donc à 60% de réussite, et bien là, même avec un ratio de 1 pour 1 seulement, vous êtes rentable. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas besoin de gagner 9 trades sur 10, voire 10 trades sur 10. Parfois, dans les groupes Telegram un peu foirés, on vous met en avant des taux de réussite de 92%, 95%. Écoutez les amis, ça veut strictement rien dire si vous appliquez pas le risque ratio, d'accord? Parce que vous le voyez, quelqu'un qui gagne seulement 3 trades sur 10, en ayant un excellent risque ratio à chaque fois d'au moins 3 pour 1, c'est-à-dire de gagner x3 sur ce qu'il risque, eh bien, il est déjà trader rentable. Je peux vous assurer que si vous comprenez ce tableau du risque ratio, que vous le mettez en pratique avec un bon money management, forcément que vous allez tout exploser. Pour clôturer ce module sur la gestion du risque en trading, j'ai décidé de vous partager une stratégie que j'utilise moi-même dans mes comptes de trading. Cette stratégie va être très simple, elle va vous permettre en fait de séparer votre capital de trading en deux comptes. Je m'explique. Vous allez avoir un premier compte ultra safe et un deuxième compte plutôt fun, où il y aura beaucoup moins de respect des règles de money management notamment. Et l'idée derrière tout ça en fait, c'est d'avoir un compte où vous allez être ultra sérieux, vous allez accepter la lenteur de la progression de ce compte-là. Imaginons que vous avez 50 euros sur le compte safe, eh bien, en ayant un money management de 2%, vous allez gagner que très peu par trade, d'accord? Maintenant, l'objectif de ce compte-là, c'est de le faire grossir dans la durée, dans les mois, dans les années, et in fine, plus vous allez progresser, plus vous réussirez trade, et plus votre compte, eh bien, grossira, toujours petit à petit, mais en tout cas, sûrement. Le deuxième compte, quant à lui, qui va être fun, va vous permettre, en fait, de libérer toutes les frustrations que vous mettez dans ce compte-là, parce que quand vous êtes trop sérieux pendant trop longtemps, ça peut vous arriver de péter un câble et de tout cramer en 2 jours. Et pour éviter ce genre d'erreurs qui sont d'ailleurs arrivées à de très grands traders, eh bien, vous allez pouvoir avoir un compte fun où vous n'allez pas trop respecter les règles de money management, vous allez quand même essayer de respecter le risque ratio et vous allez pouvoir grossir beaucoup plus rapidement. Donc l'idée, ça va être de faire de la performance sur ce compte fun, et tous les gains que vous allez faire sur ce compte fun, vous allez pouvoir petit à petit les transférer sur le compte safe, de façon à avoir un plus gros compte safe
et donc vos 2%, ce sera plus par exemple 20 euros de gain par trade, ça sera peut-être 30, 40, 50, 60 au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc le compte grossira beaucoup plus vite. Cette stratégie, on est d'accord, elle n'a rien de révolutionnaire. Par contre, je peux vous assurer que la mettre en place dans votre quotidien de trader ou de futur trader va grandement vous aider parce que, comme je l'ai dit, vous allez vraiment libérer toutes les frustrations dans ce compte-là, frustrations qui font des erreurs habituellement sur votre compte safe si vous en avez qu'un, ok? Donc, l'idée, c'est de pouvoir grossir dans le temps avec le compte safe sereinement et d'avoir un compte fun pour pouvoir rêver, entre guillemets, pour pouvoir faire de la performance sans trop se soucier des règles de money management, parce que si vous voulez faire de l'argent rapidement, évidemment, il va falloir prendre des risques. Plus vous voulez d'argent, entre guillemets, rapidement ou sur une courte période, et plus les risques seront grands. Notez bien que ce compte-là n'a rien de sûr. Donc, sur un compte fun, vous mettez uniquement l'argent que vous pouvez perdre, encore plus que sur le compte safe, parce que ce compte-là, vous allez prendre tellement de risques que vous pouvez le cramer à tout moment, d'accord? Mais l'idée, encore une fois, c'est d'essayer de le faire grossir. Je vous ai partagé une vidéo récemment, je vous remets le lien pour ceux qui l'ont pas vu, eh bien, d'une performance que j'ai fait en compte fun, justement, où j'ai démarré à 800 euros, où je suis arrivé à 36 000, il me semble, de mémoire, en seulement une semaine et demie. Et pour ce faire, évidemment, que j'ai pas respecté les 2%, j'ai utilisé un excellent risque ratio, et ça a grossi rapidement, mais n'oubliez pas que j'ai quand même 5 ans d'expérience maintenant, et que au début, vous n'allez pas faire de telles performances. Mais, si vous voulez, dans 2 ans, dans 3 ans, en fonction de du travail et de l'avancée que vous faites dans vos compétences, c'est ce que vous devez viser, c'est démarrer avec 500 euros, 1000 euros. Et puis, bien sûr, ne pas les cramer bêtement, essayez d'en faire de la performance avec la stratégie que vous avez, avec les compétences que vous avez, essayez d'avoir un excellent timing pour entrer bien sur vos trades et avoir très peu de pertes latentes, de façon à grossir un compte fun comme ça, et après vous avez des fonds pour les transférer sur un compte safe ou tout simplement pour les épargner. Je vous propose donc dès à présent d'avoir 2 comptes de trading, votre compte safe et votre compte fun. Encore une fois, concernant le broker pour ouvrir ces 2 comptes-là réels, eh bien, je vous partage le lien dans la description. C'est un broker sérieux qui vous enverra vos gains. En tout cas, personnellement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et donc, comme je vous en ai parlé dans le module 1, c'est vraiment un broker sur qui tous les critères de validité et de confiance sont cochés.